Salut à tous et soyez les bienvenus au podcast Fale Francês avec Elisa. No podcast de hoje, uma convidada super especial, Chloé Doro, que é francesa e é professora da equipe do Francês Ativo. Alors, tu es venue à São Paulo faire tes études à USP, c'est ça? Oui. São Paulo. Et dans quelle faculté? FFLESH. J'ai étudié à la FFLESH, faculté des lettres. Lettres? Ah, d'accord. Ok. Et quelles étaient les grandes différences? Est-ce que ça ressemblait à l'université en France ou c'était différent? Qu'est-ce que tu... Non, alors c'était très différent. En fait, c'était très intéressant parce qu'il y a une élève qui m'a posé cette question aujourd'hui. Elle m'a posé la question qu'en tant que professeur, qu'est-ce que je sentais comme différence au Brésil et en France? En France, quand on étudie, en tout cas à l'université, quand on est étudiant en général, on s'assoit, on écoute. Et on part, voilà, c'est ça. On ne doit pas sortir généralement de la salle, on ne peut pas sortir pour aller aux toilettes. Si on demande, il y a des chances pour que le professeur refuse. Il va dire non, ben vous allez à la fin du cours. Il y a tout ce système, c'est pas bien de manger en cours, des choses comme ça, par exemple. Et on peut poser des questions, on peut interagir avec le prof, mais c'est différent. C'est pour avoir un complément d'information, mais c'est jamais pour le contredire. Parce que si on le contredit, ou il va se vexer, ou il va chercher des arguments pour te faire comprendre que tu as tort. Voilà. À ta place aussi. Comment, Elisa ? Pour te remettre un peu à ta place. Pour te remettre un peu à ta place de « ben non ». Exactement, voilà. Il y a ce type de choses. Voilà, exactement. Il va vraiment dire « oui, mais vous ne pensez pas à ça, etc. » Et en fait, peut-être que tu as raison, mais… ils ne sont pas dans cet échange. Et quand je suis allée au Brésil, moi, j'étais surprise l'aisance des élèves. Les élèves étaient tranquilles, en fait. Ils partent, ils vont, ils reviennent, ils vont aux toilettes, ils partent, ils reviennent. Il y en a qui viennent 2 minutes, ils repartent et puis on ne les revoit plus. Voilà, c'était très, très différent. Et aussi, l'interaction avec le professeur. On peut parler avec le professeur, on peut échanger, on va apprendre plus de choses, le professeur apprend aussi parce qu'on peut dire écoutez moi je sais que j'ai une information différente et c'est une information authentique que j'ai vérifiée, etc., la source, etc., et le prof il va dire ah super, voilà, il va pas dire ben non, j'accepte pas. Voilà, c'est il va être accessible à l'échange. Je me rappelle des premières professeurs que j'avais, elles me posaient des questions de ah tu as été à la plage Chloé, etc., parce que je vois que tu as bronzé. Voilà, des échanges comme ça. Ou aussi, et comment c'est en France? Comment est-ce qu'on considère ça en France? Comment ça se passe? Quel est le type de mouvement que vous avez en France? Et ça, en France, non. Généralement, quand il y a des élèves étrangers qui étudient à l'université, les profs rarement posent des questions s'ils vont bien, s'ils s'adaptent, si ça va, s'ils comprennent, comment c'est dans son pays, voilà. Il n'y a pas de cette curiosité. Donc, moi, j'aime beaucoup ça au Brésil. De l'aisance des élèves. Alors, je vais expliquer quand même ce mot « aisance » parce que c'est un mot qui est très différent aussi du portugais. Alors, ça vient de l'expression « être à l'aise ». Et être à l'aise, c'est se sentir confortable dans une situation. Et c'est bien parce que tu nous as apporté quelques images qui peuvent nous aider à comprendre ça. Donc, par exemple, les élèves se lèvent en plein milieu du cours, ils vont aux toilettes, ils reviennent, ils boivent un café pendant le cours. C'est ça. Et ils demandent l'autorisation. Voilà. Ils ne demandent pas l'autorisation. En France, on doit demander l'autorisation pour sortir, pour juste aller aux toilettes ou même pour manger. L'élève, il ne va pas oser demander « Ah, je vais aller manger ». Il ne va pas demander l'autorisation. C'est juste généralement pour les toilettes. Et comme j'ai dit, ça dépend du professeur. Il y a des professeurs qui acceptent et des professeurs qui disent non. Alors, tu sais, ce qui est curieux et drôle, c'est que moi, j'ai été, de mes 4 à mes 14 ans, j'ai été à l'école française de São Paulo, qui s'appelle le lycée Pasteur. Donc, j'ai quasiment fait toute ma scolarité jusqu'à mes 14 ans dans l'enseignement français. Et dans l'enseignement français, toi, tu sais très bien, en maternelle et en primaire, on a un professeur qu'on appelle la maîtresse. Normalement, c'est une femme, mais ça peut être le maître. Et on le tutoie, mais on commence à apprendre. Le plus on grandit, au début, on tutoie parce qu'on tutoie tout le monde. Attention, tutoyer, ça veut dire tu à la personne. Mais quand on a 8, 9 ans, on commence à apprendre que quand même, les adultes, il faut les vouvoyer, c'est-à-dire
dire vous quand on parle directement à un adulte. Et puis, quand on arrive au collège, c'est-à-dire quand on a à peu près 11-12 ans, alors à partir de là, il faut absolument vous voyez les professeurs. Et il y a toute cette, tous ces codes culturels vraiment qui sont passés par l'enseignement. Donc, à l'école, en France, depuis tout petit, tu demandes si tu as envie d'aller aux toilettes et souvent, les professeurs disent non, ce qui est un choc pour un Brésilien. Alors, quand j'ai eu 14 ans, je suis allée, j'ai terminé en fait mes études dans un lycée brésilien parce que je voulais faire mes études en théâtre aussi. Donc, je faisais en même temps l'école normale et une école pro en théâtre tous les jours, le soir. Alors, j'ai changé d'école parce que le lycée français, c'était de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Donc, je n'aurais pas le temps de tout faire. Et ça m'a choquée, Chloé. Je me souviens que j'étais en choc. C'est exactement ce que tu racontes. Alors, les élèves, à l'école, encore, c'est un peu différent de l'université. Donc, quand tu es à la fin, c'est encore plus libre. Les élèves, ils se sentent encore plus à l'aise. Ils se lèvent tout simplement et ils vont aux toilettes. Ils ne demandent même pas. À l'école, on demande, est-ce que je peux aller aux toilettes? Mais les professeurs ne disent jamais non. Dans l'enseignement brésilien, très rarement, j'ai jamais entendu un prof dire non à un élève qui a demandé s'il pouvait aller aux toilettes. Et je me souviens que ça m'avait choqué, par exemple, manger un chewing-gum en salle de cours. Ouais, c'est pas possible. Tu peux, le prof, il ne faut pas qu'il voit que tu as un chewing-gum parce que ça peut être reçu comme une insulte. Oui, c'est ça aussi. Pas seulement dans l'enseignement brésilien, mes collègues mangeaient des chewing-gums, mais en plus, ils se levaient en plein milieu du cours pour jeter leur chewing-gum dans la poubelle sans demander la permission au professeur. Donc, je me souviens que j'étais vraiment en choc. Puis, une autre chose qui m'avait choquée, c'est que dans l'enseignement français, on vous voyait les professeurs, c'est-à-dire, on disait vous, mais on disait aussi monsieur et avec le nom de famille. Donc, j'avais par exemple monsieur Levaton, je me souviens, c'était un professeur de français, madame, une autre professeure de français, enfin, on les appelait comme ça, comme si moi, c'était madame Fingerman et toi, madame Doro. Voilà. C'est très bizarre. C'est très distant et il faut montrer le respect qu'on a envers les professeurs, etc. Et alors, dans l'enseignement brésilien, on avait un prof de maths je ne sais même pas quel était son nom, parce que tout le monde l'appelait Bigode. Ah. J'étais là, comment c'est possible? Je suis dans un autre monde. C'était une drôle de sensation. Et alors, nous, on raconte cette sensation de venir d'un monde beaucoup plus traditionnel, français, européen, dadada, et on arrive dans un monde brésilien. Mais j'imagine que pour les Brésiliens, ça doit être encore plus dur le choc, parce que c'est un choc où tu es vu comme ne pas étant correct. Oui, une personne mal éduquée, en fait. Tu peux passer pour une personne mal éduquée, voilà. Parce que tu ne respectes pas les conventions, les normes. Mmh. Et ça, c'est important de connaître ce choc de culturel. C'est important de savoir. Je pense que c'est très important de savoir vraiment se renseigner sur le pays avant de voyager, sur les codes culturels, parce que ça peut poser des problèmes quelquefois, surtout avec les professeurs. Et alors, les étudiants brésiliens qui apprennent le français, ils sont souvent un peu stupéfaits, un peu impressionnés parce qu'ils pensent que les Français sont de mauvaise humeur, qu'ils n'acceptent pas les étrangers. Je leur explique toujours. En fait, ce n'est pas ça. C'est que c'est un code culturel tellement fort et tellement présent dans la culture qu'ils ne se rendent même pas compte que pour vous, c'est normal de traiter quelqu'un de tu ou de... Uh-huh. Donc, il faut vraiment, quand on apprend une langue, il faut s'approcher de la culture.